Écouter un témoignage de ce que Jésus fait. Oui. J'ai pas l'habitude. Bonjour. J'ai pas l'habitude de parler au micro, je suis un peu intimidée. Je voulais vous témoigner la guérison de Jésus. En fait, j'ai eu une métrorragie, je sais pas si vous connaissez, mais c'est une hémorragie au niveau gynécologique. Et je savais pas que c'était une métrorragie, je suis allée au travail, j'ai fait ce que je pouvais faire. Et puis je me sentais pas bien, et un jour je suis allée aux urgences. Et le médecin m'a fait faire une prise de sang et j'étais en anémie sévère, donc à 7 d'hémoglobine. Et donc il m'a dit, il faut vous transfuser tout de suite. J'ai refusé le sang de quelqu'un. J'ai dit non, je ne veux pas me faire transfuser, je veux le sang de Jésus. Et ensuite il a dit oui, mais vous allez mourir. J'ai dit non, je ne vais pas mourir. Parce qu'il a commencé quelque chose avec moi, il va le finir. Ensuite il m'a dit, bon, bah, je dois vous laisser aller chez vous avec un traitement. J'ai dit oui, ça va aller, ça va aller. Mais j'étais vraiment fatiguée. Ensuite, chez moi, j'ai senti vraiment la mort venir sur moi. Je commençais à sentir mon corps refroidir, à ne pas être bien. Donc, une sœur a prié avec moi au téléphone. Bon, elle m'a dit, prends ton brancard, lève-toi et marche. Je me suis levée, je suis allée me doucher, j'ai loué, ça allait mieux. Mais je sentais encore le combat. Ensuite, je suis repartie à l'hôpital. Il m'a dit, écoutez, je vais vous faire une perfusion de fer. J'ai dit, ben, faites. Mais mon corps n'a pas supporté le fer. J'ai eu mal aux os, je n'étais pas bien. J'ai dit, Seigneur. Prends le contrôle, j'ai refusé le sang de quelqu'un, je refuse tout ça. Je veux ton sang, le sang de l'agneau, guéris-moi là maintenant. Donc j'ai l'épreuve. Le médecin a dit, il faut trois mois de traitement. Jésus m'a guéri en 2 semaines. Même les médecins, il est le médecin des médecins. Il est le médicament des médicaments. Même le gynécologue a dit, ben dis donc, quand même, en 2 semaines, c'est ma foi qui m'a sauvée. Voilà. Attends, parce qu'il faut savoir une chose, parce que tu n'as pas tout dit. Tellement le médecin était inquiet, il a appelé la gendarmerie. Oui, pour me chercher. Pour te rechercher. Pour faire la transfusion. Voilà, c'est important. Et maintenant, déjà, Julien, on va filmer. Et sur le résultat de. Donc c'était le 22 novembre 2016. Ils sont étonnés. Un mois. Il y a écrit. Double. Présence d'une double population. Transfusion récente. Point d'interrogation. Hey! Hey! Population de globules rouges. C'est Jésus, le globule rouge. Amen.